Bonjour, bonjour, les mirages. Ce n'est que votre vieux copain, le gardien de la crypte. Je vous apporte un cadeau. Pourquoi suis-je attifé comme ça, hein? Disons que le rouge me va bien au teint. En vérité, j'ai un petit conte de Noël pour vous. Un conte bien horrible, d'ailleurs. Ah oui, vraiment. Un petit conte d'horreur rempli de soirées morbides et de hôtes débordantes d'atrocités. Alors, jetons un œil sur ce joyeux réveillon au coin d'un feu de bûche gémissant. C'était le soir de la veille de Noël. Nuit de Noël pour femme adultère. Chestnuts roasting. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by choir. And folks dressed. Dieu bénisse chacun de nous. Ce feu va finir par s'éteindre. C'est toi qui as le tisonnier? Oui. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu as dit? Bah, t'es sourde ou quoi? Je t'ai dit de me donner ça. Joyeux Noël, espèce de sale fils de... Maman! Carrie! Où est-ce qu'il est, maman? Il m'a apporté mes jouets maintenant. Oh, vous êtes censée être au lit, mademoiselle. Mais il est là, je l'ai vu! Qui ça? Lui, le Père Noël. Oh, allez, viens maintenant. Mais je l'ai vu! Il est là dehors. Bonne nuit, Joseph. Allez, viens. Pourquoi il m'a pas dit bonne nuit, Joseph? Parce qu'il dort, ma chérie. Comme toi aussi, tu devrais dormir. Mais quand le Père Noël viendra, il réveillera Joseph. Oh, chérie, je crois que même le Père Noël ne pourrait pas réveiller ton beau-père. Maintenant, nous allons dormir, jeune fille, sinon personne ne viendra. Je peux pas dormir, il fait trop chaud. Regarde, t'es toute mouillée aussi. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais t'ouvrir un peu la fenêtre, mais rien qu'un tout petit peu, d'accord? Ce que tu n'as certainement pas demandé pour Noël, mon ange, c'est d'attraper un rhume. Qu'est-ce que t'as demandé, toi, pour Noël, maman? Oh, je l'ai déjà eu, ma chérie. Je l'ai déjà eu. Vic l'affreux vous salue bien bas. Je fais la fête. Laissez votre nom, votre numéro et vos mensurations. Chérie, c'est Elisabeth. Je sais que tu m'avais dit de ne pas t'appeler, mais j'ai quelque chose à te dire.
Ça y est, je l'ai fait. Tout est à nous, l'argent et tout le reste. Nous sommes libres. Joyeux Noël, mon amour. Et une merveilleuse nouvelle année. Sapristi, Joseph, combien de fois t'ai-je demandé de maigrir? Par ici, Joseph. Notre programme musical de Noël reprendra après le journal d'information. Les principaux titres par Tracy Donohue. Le shérif et la brigade criminelle du comté de Gaines sont en état d'alerte générale depuis cet après-midi en raison d'un individu mâle de type caucasien qui aurait brutalement assassiné 4 jeunes femmes dans le secteur de Pleasantville. La police précise que l'homme, un pensionnaire de l'asile d'aliénés criminels de Pleasantville, s'est échappé en début de soirée et doit être considéré comme étant extrêmement dangereux. Les autorités présentent l'individu comme étant de forte corpulence, d'une quarantaine d'années, portant un costume de Père Noël dérobé chez l'une de ses victimes. Tous les habitants du secteur de Pleasantville sont priés de ne pas quitter leur domicile, et ce, jusqu'à ce que la police décrète la levée de l'alerte générale. Merci de votre attention. Tu aurais pu faire un effort. Un peu de gymnastique de temps en temps. Oh, ça ne t'aurait sûrement pas tué. Que dirais-tu d'un bon bain glacé, Joseph? Votre adresse. Mon adresse, c'est
Allô, j'écoute. Sergent Felsten du poste de police de Pleasantville. Et nous appelons tout le monde dans les environs au sujet de l'individu qui s'est échappé de l'hôpital psychiatrique ce soir. Quoi ? Vous n'étiez pas au courant ? Par radio ? Non, non. Eh bien, il a déjà tué 4 personnes. D'après ce que nous savons, il porte un vieux costume de Père Noël. Des policiers vont passer dans tous les foyers du secteur pour voir si tout va bien. La police va venir ici ? Oui, madame. Ici ? Oui, madame. Un de mes hommes devrait arriver chez vous d'ici 20 minutes. 20 minutes ? Oui, madame. Ah, oh, bon, très bien. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre que vous pourriez me dire sur cet individu ? Non, pas vraiment, non. Il a l'air de tuer ses victimes avec une hache. Je ne voudrais pas vous effrayer, mais pour votre sécurité, nous vous conseillons de vous enfermer chez vous et d'attendre l'arrivée de la police. Oui, mais c'est compris. Merci. Merci. Oh, calme-toi. Calme-toi. Oh non, monsieur. Je n'ai rien fait, c'est le Père Noël. C'est lui qui l'a tué. N'est-ce pas que tu l'as tué ? C'est toi qui l'as tué. Thank you.
à toi, Joseph. De ces hurlements, petit buveur de sang. Oh, ne vous en faites pas pour la petite Carrie.
ce Père Noël-là préfère les femmes plus âgées. En morceaux, bien sûr. Vous savez, ceci vous a démontré que l'on n'a pas besoin d'une hache pour découper la dinde de Noël. À moins d'être soi-même le dindon de la farce.